Alors j'ai vu sur cette chaîne que vous adorez les petites astuces de maths rapides et faciles, et donc dans cette vidéo, on va voir comment multiplier n'importe quel nombre par 11 facilement et rapidement. C'est parti. Et avant qu'on parle de ces techniques, si tu as envie d'en apprendre un peu plus sur le calcul mental, si tu as envie de découvrir de nouvelles astuces ou techniques sur le sujet, évidemment les techniques dont je t'en parle ne viennent pas de moi, beaucoup viennent d'un livre que j'ai adoré qui s'appelle Secrets of Mental Math, de Arthur Benjamin, ou Arthur Benjamin en français si tu préfères. Donc dans la description de la vidéo, je te mettrai un lien vers son livre, je suis pas sûr par contre qu'il existe en français. Et donc pour illustrer cette technique, prenons plusieurs exemples. Si on prend par exemple 52 x 11, alors la technique elle est vraiment toute simple, il suffit de mettre 5 à gauche et 2 à droite, et au milieu on fait tout simplement 5 plus 2, 5 plus 2 ça fait 7, et donc le résultat, 572. Prenons maintenant par exemple 34 x 11. On fait exactement la même chose, 3 d'un côté, 4 de l'autre, ensuite on fait 3 plus 4 qui fait 7, on le met au milieu et la réponse 374. Si on prend un exemple un petit peu plus complexe comme par exemple 96 x 11, eh bien à nouveau on met le 9 d'un côté, le 6 de l'autre et ensuite on fait 9 plus 6. Cette fois-ci on se retrouve avec 15. Mais la réponse n'est pas 9156. Ce qu'il faut faire là, c'est tout simplement rapporter le 1 à gauche. Donc 9 plus 1, ça fait 10. Et donc on se retrouve avec un résultat de 1056. Si on prend maintenant par exemple 29 x 11, eh bien on fait la même chose, on met le 2 d'un côté, le 9 de l'autre, on fait 2 plus 9, ça fait 11. Le résultat n'est pas 2119. Il faut simplement rapporter le 1 à gauche. Donc 1 plus 2, ça fait 3. Et donc le résultat, 319. Et cette technique marche aussi avec des chiffres plus complexes. Prenons par exemple 215 x 11. Ce qu'il faut faire, à nouveau, c'est mettre 2 à gauche et 5 à droite. Et ensuite, au milieu, on fait 2 plus 1, ça fait 3. Et ensuite, 1 plus 5, ça fait 6. Et le résultat, 2365. On peut même prendre des chiffres encore plus complexes, comme par exemple 3624 x 11. À nouveau, on met le 3 d'un côté et le 4 de l'autre. Et ensuite, on fait simplement 6 plus 3, 9, 6 plus 2, 8, 2 plus 4, 6, le résultat, 39 864. Voilà, c'est une technique toute simple, mais ça permet de multiplier par 11 vraiment facilement et rapidement. N'oublions pas, progresser ne se fait pas avec une grande révolution, mais à coup de petits changements. Ciao!